Bonjour, je m'appelle Anne, je voulais juste vous écrire. Mais la main de la femme qui va tenir le stylo, c'est celle de Joanne, une personne que j'admire et qui va tenter de me traduire comme il faut. Voyez-vous, Joanne, elle n'est pas de mon troupeau, mais elle s'intéresse à ce qui se passe dans ma peau. Je lui rappelle son frère qui a quitté plus tôt que moi son corps de misère et sa chaise de combat. Je vous vois qui toussez pour camoufler vos rires quand j'essaie de parler, mais que je ne sais que gémir quand la main que je vous tends, elle veut pas m'obéir et que tristement je la regarde aller et venir. N'importe quel détail de la vie quotidienne, que ce soit le téléphone, les toilettes ou manger, c'est tellement de travail que ça vaut pas la peine. On finit par vivre entouré d'étrangers. Il y en a qui sont là pour gagner leur salaire, qui poussent nos chaises, nos habits, nous nettoient. Par chance qu'il y a Joanne qui est gentille comme une mère, qu'on dirait qu'elle m'aime et qu'elle est fière de moi. Elle verse quelques larmes, quelquefois à ma place, quand il y a une belle âme qui veut bien s'attarder, qui a l'air de comprendre que sous ma carapace, il y a des idées franches et un cœur à aimer. Comme vous, j'ai de l'humour, mais je l'exprime autrement. C'est juste que mes rires peuvent sonner comme des cris. Je contrôle pas le volume de mes longs gémissements. Quand au cinéma je m'offre une comédie, je vois toutes ces têtes devant moi qui se retournent. Je voudrais disparaître, mais je suis tellement là. Un chien dans le jeu de quilles, un humain qui aboie. C'est toujours à l'horreur que les comédies tournent. Comme vous, je suis émue devant un enfant qui pleure. Comme vous, je suis déçue quand j'écoute les nouvelles. Je me lève soit de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis pas différente en dedans de ma cervelle. Mais puisque c'est cérébral qu'on la nomme, cette paralysie qui est ma tâche de naissance, les gens ne me traitent pas vraiment comme une personne. Ils croient que j'ai mal à mon intelligence. Il me parle comme on parle à un chat, à une bête, un peu comme ils font avec les vieux séniles, ceux qui comprennent pas ce que j'ai toute ma tête, alors que mon corps se tord comme un débile. Des tas de gens oublient qui pourraient me trouver belle si j'étais capable de retenir mes grimaces. Alors je m'interdis de rêver à grande échelle. J'ai que des petits souhaits étouffés par mes spasmes. Eh oui, je m'appelle Anne. Je voulais juste vous écrire. Merci à Joanne d'avoir lu mes pensées et d'avoir pour moi bien voulu les retranscrire pour que je puisse enfin à vous tous me confier. Bien sûr, je m'attends pas à ce que cette petite lettre ne trouve de réponse, à l'exception peut-être de quelques regards qui me perceront mieux. Un petit espoir d'être belle à vos yeux. Des tas de gens oublient qu'ils pourraient me trouver belle. Ils font des détours, ils ont peur de ma gueule. Des tas de gens oublient, alors moi je vous le rappelle. Je suis là, j'existe. Ne me laissez pas toute seule.
gros. Nous ka manger musique là. Ou kon sa nye jodi. Ne wa konne sa ma dye deme. Ou kon sa nye jodi. Ne wa konne sa ma dye deme. Ou a bom chans mwen. Ou bom chans mwen. Ou a bom chans mwen. Si me paraît vivre, mais cauchemar pour rêve. Si me parle la guerre, pour soi, me pas perdre, si ex moi. Si me pas perdre, si test, vie à passer. Ou t'as compris que c'est musique qui guébé ma vie, mais oui, ça clair, vie à passer. Il très bizarre, toi, mélancolique, coussi, coussa. Musique pas qu'à prendre place, ou dans la vie, me réclame, les vies, c'est vers ça. Musique, aidez-moi, qu'est-ce que c'est, me flow, aidez-moi, qu'est-ce que c'est, tout. Aidez-moi, souffrir avec elle, peut-être un jour, la qu'est-ce que tout. Ou qu'on s'allie, je dis, je vais connaître ça, ma vie, aidez-moi. Ça n'est jodi, mais pas qu'on est ça, ma vie est demain. Ou à bonne chance, ouais. Ou à bonne chance, ouais. Ou à bonne chance, ouais.